Sio repart à l'attaque et sur une action initiée par Rivière et prolongée par Moimbe, Diaz, de la tête lui aussi, redonne l'avantage à l'ACA. C'est effectivement à la suite de ce coup franc que les Verts vont voir rouge. Rivière pour Vial, qui remet à Diaz. Et ça fait 1-0 à un quart d'heure de la fin. Et là, c'est l'ACA qui tient le match en main. Les prédateurs ajacciens sont à l'affût du moindre ballon de but. Vial s'en mêle les chaussettes sur cette action. Mais pas Diaz à la conclusion de la suivante. Nîmes verse des larmes de crocodile et pour Diaz, c'est le doublé. L'ouverture, elle arrive à la 36e minute avec à la réception de ce centre Kevin Diaz qui s'arrache et qui réduit le score. Ça fait 2-1 à la pause. On se dirige vers un match nul mais à la dernière seconde, le revenant Kevin Diaz en décide autrement. Avec cette victoire 3-2, les Messins peuvent envisager l'avenir un peu plus sereinement. Oui, bah, je pense que c'est le cas actuellement. On voit les Messins au pressing avec Kevin Diaz qui récupère d'ailleurs un ballon très intéressant. Kevin Diaz sur le côté gauche. Diaz et le premier but. Et là voilà le premier but sur le côté gauche. Kevin Diaz qui récupère un ballon perdu par la défense nantaise et qui ouvre le score à peine 2 minutes de jeu. Et ça fait 1-0 pour Metz. Et oui, 2 minutes de jeu. On voit Kevin Diaz pressing très haut qui sert l'arrière droit, je crois. Il s'agit de. Attendez. On ne sait pas son nom, mais qui sert l'arrière droit, qui perd la balle et qui fixe Rio, qui bien sûr la glisse entre Rio et son poteau. Voilà l'ouverture du score donc de Kevin Diaz, je crois que. Monsieur Turpin, l'arbitre de la rencontre, va alors fausser la donne. Après avoir accordé un pénalty contestable au FC Metz, un pénalty transformé par Kevin Diaz. Le manque de forme de cette équipe havraise. Et là, on arrive à la toute fin de match. Il ne fallait pas arriver en retard. Il ne fallait surtout pas quitter le stade avant la fin. 85e minute, égalisation de Kevin Diaz qui venait de rentrer en jeu. C'est son deuxième but cette saison au joueur de 23 ans. C'est un événement. C'est seulement le quatrième but de Metz en 2012. Autant vous dire que cette équipe éprouve les plus grosses difficultés. Il y a des ouvertures dans cette défense lensoise. En voici une de plus. Le ballon revient sur Kevin Diaz. 33e minute. Ça fait 1-0 pour Metz. Et c'est finalement assez mérité parce que les Messins, petit à petit, alors qu'ils jouaient plutôt regroupés dans les 5 premières minutes, se sont dit tiens, on a des espaces. Il y a des espaces entre les lignes. On peut peut-être jouer des contres. Il y a peut-être de bons ballons à exploiter. Et une fois de plus, la défense lensoise coupable voit Diaz marquer ce but, son 3e de la saison. Tout avait bien commencé dans cette Coupe de la Ligue, avec ce superbe tir de Diaz en pleine lucarne à la 6e minute. Pourtant, le TFC qui mènera jusqu'à 2-0 face à Dijon sera rattrapé au score et éliminé au tir au but.